Salut, salut! Alors, on se retrouve avec le foyer Ananas, donc avec Emma et sa nouvelle maison, enfin sa maison qui était un peu décorée, quoi. Donc voilà, nous voilà. Trop de voilà. On est dans la maison. Quelle heure est-il? 4 heures. Parce qu'elle veut fertiliser un buisson. Ah oui, c'est en haut maintenant, c'est vrai. Eh ben, on va fertiliser un buisson, hein. Pourquoi je peux pas? Il n'y a pas fertilisé. Mais elle est peut-être pas assez bien dans le jardinage, je ne sais pas. C'est où déjà ces trucs? Ouais, elle est que niveau 1. Peut-être que fertiliser c'est plus tard, je ne sais pas. Ah d'ailleurs, j'ai pas. J'aurais pu mettre. C'est quoi cette. Ouais, c'est tout pourri là. Je pense que c'est à cause des herbes. Ça va pas trop là ce truc en fait, c'est bizarre. C'est bon, je suis compétence 2. Allez, dépêche-toi. Oui, j'étais en train de dire que j'aurais pu mettre des lampes un peu ici, parce que c'est tout sombre la nuit du coup. Voilà, maintenant tu désherbes et tu arroses. Arroser c'est fait, ok, faut qu'elle désherbe. Ah, on va aller aux toilettes. Et la faim aussi, donc on va faire à manger. Qu'est-ce qu'on peut faire? Attendez, vitesse 1. Prendre le petit déjeuner. Des toasts avec des œufs, allez hop. Faudrait qu'on apprenne un peu la cuisine aussi parce que bon. Ah, elle avait envie de dormir en plus, super. Ça me perturbe un peu aussi ça, donc vous me direz ce qui, s'il y a des trucs qui vont pas parce que. Je sais pas. J'aime pas avoir une maison trop remplie comme ça. Puis j'aimerais bien qu'elle regarde la chaîne de cuisine en même temps qu'elle mange. Je sais pas si elle va. Faire ça ou alors si elle va se mettre sagement à table. Ah non. Parfait. Elle a pas un souci la télé là. Oh, c'est. Ah, j'aime beaucoup la chaîne. Pas mal. C'est sympa. Non, non, non. Elle a posé son assiette là ou j'ai rêvé? Pourquoi je la vois plus l'assiette? Je l'ai vu poser. Bah apparemment non, mais j'ai vu poser une assiette ici. Ok, elle a disparu. C'est ça que je voulais faire. Ensuite, qu'allons-nous faire? Est-ce qu'elle travaille? Non, elle travaille dans 2 jours. Enfin, lundi, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une réunion de groupe. Qui c'est, toi? Qu'est-ce que tu fous? Eh, il y avait quelqu'un chez moi, là, je l'ai vu. Ah, ce mur, il est pas peint. J'ai dû oublier de le faire. On dépêche-toi de finir de dormir. Hein. Faire crac-crac dans le buisson. Ouais, je sais même plus comment on garde les trucs ajoutés. Ensuite, devenir inspiré. Comment on devient inspiré? Bah, une douche inspirante là. Méditative, je crois. Et ça, discuter avec quelqu'un. Ok. Ouais, faudrait qu'on invite quelqu'un et que. On va inviter Maxime. J'espère que la douche, elle va l'inspirer. Hein. Ah, bah parfait. Ok, Maxime va arriver en attendant. Bah, il est là. Très bien. Vas-y, rentre, fais comme chez toi, hein, écoute. Demander si la personne est célibataire, je sais pas pourquoi, mais ça m'intéresse, je suis assez curieuse. Ensuite, on va déjà faire amical, hein, faire connaissance. Amical, complimenter la tenue. Pas terrible la tenue, mais pas faire genre, on l'aime bien. Il est sans chaud. Ok. Bah nous aussi, ça va être beau ça. Discuter des centres d'intérêt. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander comment s'est passée la journée. On va lui illuminer sa journée carrément.
On va encore lui complimenter sa tenue, surtout ses chaussures qu'on adore, on dirait des babouches bleues. C'est pas terrible. Bon, ça va, conversation agréable, elle s'est pas emportée, elle est pas devenue sans chaud avec lui. On va accélérer un peu hein, parce que. Non, non, mais attends! Non, mais j'ai pas eu le temps de. Finalement, ça allait trop vite en vitesse 2. T'es où? En fait, j'ai mis un truc au pif. Non, non, mais ça, on s'en fout de se plaindre du travail. Moi, je veux des trucs qui les rapprochent. Sans trop d'intérêt. On va encore lui complimenter la tenue. On va faire la lèche 1. Hein. De cuisine, tiens, on va parler un peu de tout. Ah, il est amateur d'art et il adore la nature, très bien. Conversation profonde. Il a demandé de vivre ensemble, oh, c'est un peu tôt quand même, hein. Se calme. Ils ont de sacrées manières quand même. Complimenter l'apparence. Raconter une histoire délicieuse. Ok, mais il vient de me traverser le corps là. Pas très poli de s'asseoir comme ça. Avouer son attirance. Non, on va attendre un petit peu quand même. Discuter des centres d'intérêt. Je fais un peu tout le temps les mêmes choses. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? Plus de choix. Ne pas parler du club de crime. Je comprends pas trop c'est quoi ça, ne pas parler. Bah parle pas quoi. Partager un secret, ça voilà. Là ils sont plutôt bien proches hein, je trouve. On exprime notre admiration. On va enlacer. Et là, je pense qu'on peut commencer à faire du truc amour. Voilà, il y en a qui me disent « Ah mais non, tu dois aller jusqu'au bout. » Mais non, moi, ça marche plutôt bien, même quand on n'en est pas au bout. On va pas avouer l'attirance suisse. On va faire des... échanger les numéros, voilà. Enlacer encore. Technique de drague. On va redemander si elle était célibataire. J'ai même pas vu si. Enfin, j'ai même pas vu quand on l'a demandé tout à l'heure. Complimenter l'apparence. Ah, ils sont les deux très enjôleurs. Ça risque de plutôt bien marcher. Offrir une rose. Est-ce que j'ai un buisson, moi? Ah, oui, bien sûr. Prendre une pose sexy. Bah dis donc, ça va vite. Hein. Je pensais qu'elle allait avoir personne vu avec son caractère pourri. Ah, on va inviter à rester dormir aussi. Parce que sinon, je sens qu'il va s'échapper là. Il va dire, ah, je dois y aller, il est tard. Allez, premier baiser. Pourquoi ils ont fait une photo? C'est trop mignon. Faire crac crac dans le buisson, voilà. Bah allez. Oula, il a l'air un peu fatigué, ou alors sa façon de marcher, je ne sais pas, mais... Mais il est où? On l'a perdu en route? Wesh, Maxime. Ah, bon bah le temps qu'il arrive...
Ok, il lui met une petite claque aux fesses comme ça. Sortez les bougies dans le buisson, ça va être chaud quand même, hein. C'est pas tout ça, mais la fin du coup, hein. On va se faire griller du poulet, tiens. C'est bon le poulet. Dépêche-toi, hein. Envoyer un SMS de drague. On peut lui envoyer si même s'il est là. Ah bah non. Bah il est où? Vas-y, va dormir dans mon lit, fais comme chez toi. C'est pas parce qu'on a fait un bisou que ça y est, c'est la fête, hein. Alors, mes toilettes, mais je les perds tout le temps, hein. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Regardez une série télévisée romantique. Donc, regardez la chaîne. Romance. Commencer une réunion de groupe. Ouais, c'est vrai qu'on devrait peut-être en faire une. Enfin, il est un peu 3h du matin. Je suis pas sûre qu'on puisse rester ici. Ah, oh, si, on peut. Ok. Bah, si vous êtes prêts à faire une réunion de groupe à 4h du matin. Ah, mince. Il y a elle là-dedans. Oh, mais non, je voulais pas faire avec les nains de jardin. On peut faire deux réunions de groupe en même temps? Ok, très bien. Par contre, ça, on va les mettre par là. Nos poulets grillés, là. On peut en mettre vitesse 1. Qui c'est qu'il y a? C'est qui, toi? Toi, c'est un enfant. Ah, il est dans les nains de jardin. Présentation amicale. Pourquoi il est tout seul? Ils sont les autres. C'est quoi sa tenue? Ah, ça doit être... pour les nains de jardin, ça c'est pas possible. Pêcher, chercher des grenouilles, entretenir le jardin. Mais je suis pas sûre que le jardin il ait besoin encore de... Ah, mais ils sont tous là, ok. Non, mais laissez-moi entretenir mon jardin. En plus, on peut plus rien faire, ils ont déjà tout fait. Ah si, tout récolter. Et arroser. Dépêche-toi, parce que là, ils sont en train de te piquer tout ton boulot. Tu peux plus rien faire. Demandez bien, ils étaient où tous, en fait? Il n'y a rien d'autre à récolter, forcément. Ils ont déjà tout récolté. Bon, les modèles, elle doit être dans les modèles. Présentation dragueuse, allez hop. Lui, il dort toujours. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait faire d'autre? Elle veut... Une toile enjôleuse, eh ben vas-y, fais-toi plaise. S'entraîner à parler devant le miroir. Le miroir, il doit être par là. S'entraîner à faire un discours, c'est ça. Mais j'aimerais bien pouvoir changer, moi, la tenue. Je sais pas comment on fait. Peut-être quand on choisit les tenues, il y a une tenue truc de groupe, je ne sais pas. On a un caractère immature, d'accord. C'est qui elle? Oula, c'est quoi ses noms? Attends, pause. Ouais, ça va, elle est jolie. Mais c'est quoi son nom? Siobhan va faire des présentations dragueuses à tout le monde. Sauf à Camilla, on va, bien sûr, on va éviter. Puis il y a la petite mamie aussi, parce que bon, quand même... Ah oui, elle est en train de faire sa toile, du coup. Mais attends, je veux voir. C'est enjôleur, ça? Ça ressemble pas à grand-chose pour l'instant, en tout cas. Hein. Ouais, bah dépêche-toi, parce que là, c'est pas très très beau.
Sinon après on va essayer des tenues parce que c'est ce qu'elle veut faire là pour la réunion avec les modèles. Essayer des tenues, être méchant avec les rebelles. Mais ils sont pas là. Boire du café. Je crois pas. Ah mais si j'ai ma super cafetière. Ah c'est lui là qui nous a. Qui nous avait saoulé. On dépêche-toi de faire son tableau là. C'est sérieux ça? Elle a besoin de s'entraîner en peinture parce que là c'est pas terrible. C'est en geleur en plus ce truc. Eh bah. On va boire du café, ils sont tous en train d'en boire. Ah, trop d'actions d'attente, c'est une blague. 4 trucs. Ah voilà. Préparer une boisson sur place, genre à emporter. Café avant le travail parfait. C'est quoi ça? Non, on va prendre un cappuccino. Hein. Ah, puisqu'elle a faim en plus. C'est bon, le poulet grillé là. C'est ça son poulet? On dirait pas du poulet si. On dirait de. Je sais pas. Le courrier d'aujourd'hui a été distribué. 4000, ok. Je crois qu'on peut les payer avec le téléphone, j'avais vu. Payer les factures, voilà. Ça va être plus simple. J'avais l'impression qu'il y avait plein de trucs. Appeler son... Prendre un arrêt maladie. On peut faire ça maintenant ? Canulaire téléphonique. Ah mais c'est peut-être son caractère qui permet de faire ça parce que... Bon, tu te dépêches de faire ton, de t'entraîner à faire ton discours là. Allez. J'ai entendu parler de... Il est vraiment sympa. Ben, ok, c'est cool. Elle a dit avec qui? Maxime? Ouais. Amour issu d'une amitié. On va encore l'inviter, hein. Ah, mais on travaille aujourd'hui. C'est où? Dans 8h. Bah, dépêche-toi, Coco. Puis toi, c'est bon, t'as fini son discours? C'est bon, on en a marre. Hein. Frimer en montrant ses muscles. Quel muscle, hein. Tu veux qu'on se voit ce soir? Boîte de nuit, le velours bleu. Non mais déjà on n'est pas le soir et puis voilà hein. Enlacer quelqu'un, bah t'attends que ton coco y revienne déjà. Un maillot de bain avec un collant. Oh, t'endors pas. Oh non, pas ça. Ils sont partis tous les gens ou quoi? Oh non, c'est gâté. Non, mange pas, mange pas. Oh non. Je sais, elle va le manger. Non, 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 mange pas. J'ai dit non. Non. Ah oh non, c'est bon. Déjeuner. Macaroni, hein. Mais elle est tout le temps fatiguée, c'est pas possible. Bon allez, hop, t'as fini de dormir parce que bon, c'est pas tout ça, mais tu travailles dans 4 heures. Oh non, mais... Non mais c'est pas son tenue pour dormir avec un collant quand même. Ça va pas du tout ça. Changer de tenue. Sommeil, hein? Non, c'est une blague. Il va arriver l'autre coco là? Ah mais il est là. Oula, oula, elle est énervée. Enfin, mal à l'aise, plutôt. Demander d'être son petit ami. Oh, oh non, elle a pas mis le feu, quand même. Ah non, il est juste cassé. Bah... On va le remplacer, hein, j'ai la flemme de le réparer. Puis comme on a des sous en trop, voilà.
Oh, ça y est, son sang se croit mignon. Ça aussi, c'est cassé? Ah non, il faut juste le nettoyer. C'est quoi? Elle voulait juste aller aux toilettes? Faire pipi comme une championne, carrément. Invite à rester dormir. Même si on bosse jusqu'à 3 heures, quoi. Pourquoi je peux pas lui faire quelque chose? Oh! Ah si, ok. Amour. Non, on va peut-être pas demander en mariage. C'est quoi baiser suave? Il dort ici. Poulet, il faut le nettoyer. Et ça, c'est les macaronis qui sont très bons. On va manger et après, on va ranger. T'es qui toi? En réunion. Ah, parce qu'il y a toujours. Ah, mais non, faut qu'elle aille au travail. Ah, il nous saoule. Est-ce qu'elle aura le temps de manger? Au pire, on arrive en retard. C'est pas très très grave. Par contre, la performance du travail, pas top, hein. Mais c'est chiant de faire des interactions malicieuses en fait. Allez, dépêche-toi. Allez! J'aurais pas dû lui faire ranger et tout parce que là, elle va tout s'occuper des machins là. C'est quoi tous ces petits bidules là? Ah, c'est tout des verres! Oh, mais laisse ça! T'embête pas! Mais voilà, pose ça sur la baignoire, c'est super. Et mais lui, il nous saoule, hein. Ma patronne m'appelle. Non, non, vas-y au travail. Mange juste un petit peu, faire genre j'ai un peu faim. C'est bon, t'arrêtes de manger, maintenant tu files au travail parce que bon. Alors, cible difficile sur le quai du train en cherchant des victimes prometteuses pour faire des proches. Emma repère une actrice très connue. Apparemment, son garde du corps est avec elle. Cela vaut la peine d'essayer de lui voler son portefeuille. Allez, on va tester. Comment a-t-elle pu ne pas avoir. Ah mince. J'ai gagné 50? Ah, le vol est enregistré, mais j'ai quand même piqué. Ah, oh, c'est bon, perte de performance. A réalisé une mauvaise performance au travail. Ok, bah vitesse 1 là. On va faire les interactions malicieuses de la journée. Donc présentation amusante. Dépêche-toi. Reste là, cocotte, hein. Et mais ils ont foutu des verres partout, c'est pas possible, hein. Pas capable de ranger une tasse. Oui, je sais que j'aurais pu le faire à la main, mais ça aurait été long aussi de mettre tous les petits trucs. Sauf que je suis sûre que j'en aurais loupé encore. Pourquoi toutes les lumières, elles sont éteintes? Oh. C'est allumé là? Mais non. Bon, allez. On va faire nos interactions malicieuses là. Sur comment elle s'appelle? Sophia. Malice. Demandez, c'est pour quand? Oh non, c'est trop méchant ça. Malice. Ah, mais il y a des nouveaux trucs. Invité à une fausse soirée. Mentir sur la carrière. On s'en fout de toute façon. Donner de fausses mauvaises nouvelles. Mais reste là! Lancer une rumeur grotesque. Ah, apparemment j'ai une conversation. Ça, là. Une conversation drôle. Plus de choix. Être un génie criminel. Bon, je veux pas mettre au défi de sauter parce que vous m'avez bien dit que c'est sauter dans la piscine. Voilà. J'avais pas compris au début. Pourquoi elle pleure? Oupsie. C'est pour ça que j'aime pas Malice, parce qu'il faut quelqu'un qu'on n'aime pas trop, parce que c'est pas très gentil. On va redemander c'est pour quand, on va bien insulter, gros lourd. Et je pense un dernier truc, ça devrait suffire. Donc on va quand même mettre au défi de sauter. Pire, on s'en fout après, si elle est dans la piscine, non. 7 h du matin, ça fait du bien. Bon, du coup, j'augmente ma compétence de Malice, c'est plutôt bien, parce que là, par contre, quand j'ai retravaille, il faut que je prenne une douche et on peut pas faire ah non, énergiser, enjôleur. Comment on devient joueur? Peut-être jouer, mais à quoi? Peut-être jouer aux jeux vidéo, je sais pas si ça rend joueur vraiment. 5, on a gagné 5 en points de groupe. Groupe infréquentable. Ouais, je sais pas trop si ça sert vraiment à quelque chose.
Félicitations pour ton nouveau petit ami, t'es jaloux, hein. Du coup, 24... Ah, mais elles sont pas payées les factures, c'est pour ça que les lumières, elles s'allumaient pas. Oh, je lui avais dit de les prendre, enfin, de les payer. Bon, on va mettre fin à la réunion, peut-être, hein. Parce que bon... Ah ben, dans le jardin, elle est déjà mis fin, ok. Bon, ben, sur ce, je vais vous laisser, voilà... Dites-moi du coup si vous voulez qu'ils aménagent ensemble les deux, ou bien alors si elle peut avoir plusieurs petites amies, faire des bébés avec, ou faire des bébés avec lui et se mettre ensemble. Enfin, dites-moi ce que vous préférez. Quelle histoire vous voulez qu'on continue? Les habituer? Non, ça va, hein. Donc voilà, dites-moi ce que vous voulez pour la suite. Quelle histoire on va faire? D'ailleurs, je vois que les toilettes sont cassées. On va réparer. Voilà. N'hésitez pas à me le dire et en attendant je vous fais des bisous.